Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'Alpine Foil. On va parler de la board un peu spécifique d'Alpine qui est la Pocket Carbone 112. On va parler donc du coup de gros selles de foil. On va revenir donc sur la DW1680, la plus grosse selle de la gamme DW que j'utilise actuellement avec le modular. Et on va naturellement parler de dock start, de pumping et de beach start. C'est parti! Alors ça y est, j'ai réussi à l'aube de mes 40 ans, mes premiers beach start en foil. Alors évidemment, il a fallu avoir un matériel un peu spécifique pour pousser un peu le truc et y arriver. C'était un challenge que je m'étais fixé, au même titre que le dock start il y a un an et demi, deux ans. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui est à la croisée entre la review matos, parce qu'il faut un matos spécifique pour réussir à faire ce genre de truc, et le tuto, en l'occurrence sur le beach start et le pumping. Alors la Pocket Carbone chez Alpine Foil, c'est au départ une planche conçue pour le kite foil, donc tu peux kite foiler avec, mais de par sa conception, je précise, elle est ultra rigide, c'est une baramine, elle est très très fine. On a une planche qui sur la balance sort à 1,9 kg, ce qui a un poids record. Et on a une board qui va faire 112, donc c'est très court. Il existe plus court encore, mais pour une Pocket, c'est bien, on est dans la norme. 112 par 47 cm de large, donc c'est une biscotte en carbone. Au niveau de la conception, on a une board qui est assez sculptée sous la carène, qui est nervurée, et on reprend en fait le principe, on en a discuté avec Damien, de la tôle ondulée. Une tôle plate, c'est souple. Par contre, dès l'instant que tu vas avoir des ondulations sur la tôle souple à l'origine devient rigide. Bah là, c'est un peu la même. Ce côté sculpté de la carène confère à la board une rigidité. Après, le mode de conception fait aussi que la planche, les matériaux utilisés, la façon dont elle est conçue font que la rigidité est également liée à ça. Au niveau du pont, tu vas retrouver... Bah, tu vas rien retrouver en fait, parce que il y a un léger grip, un peu comme sur les grips de skate, c'est un grip résine avec un léger sablage en fait, je sais pas comment on dit. En tout cas, tu peux rider cette board sans chaussons, ça bousille pas les pieds, t'as une bonne adhérence. L'idée, c'est d'être au contact même du foil, donc d'avoir un minimum d'épaisseur, avoir un maximum de rigidité et de pas glisser, de pas venir avoir besoin de mettre un pad, même si tu peux en mettre un bien sûr, pour garder ce contact très dur, très sain, très pur, très transparent avec ton foil. Pour aller justement plus loin encore dans le délire, on n'est pas sur du box double rail US, souci de gain de poids. On a un box, un KF box en fait. Donc le foil, le modular, propose un adaptateur qu'on va venir mettre en lieu et place de la platine standard que vous utilisez tous sur vos planches de surf foil et de wing foil. On va mettre cet adaptateur et en fait le foil vient se brancher dans la planche comme sur les bords de windsurf, nos foils en deep turtle qu'on venait mettre dans les box. On a deux vis au-dessus. Quand on serre, le foil va venir bien se caler, s'enfoncer dans le box. Il n'y a plus rien qui bouge. L'avantage de ça, au-delà du gain de poids, c'est que le foil est vraiment connecté à la board, au travers de la board, sur toute l'épaisseur. Et en fait, la board, quelque part, ce qui reste de ce qu'on peut appeler une board, c'est un box. C'est un box sur lequel tu vas venir mettre tes pieds si je pousse la caricature un peu loin. Allez, on passe au test sur l'eau, tout ça. J'ai mis la 1680. Là, il fallait avoir l'aile la plus grosse. Donc, on parle de dock start, on parle de beach start. C'est très spécifique. Donc là, il faut une grosse aile qui porte à basse vitesse. J'avais dit que la 1680 avait un rendement un peu moindre que la 1370, que moi, ma préférence allait à la 1370 parce que ces deux ailes avaient la même envergure. Mais la 1370 était plus rapide, elle générait plus de rendement au pumping. Donc clairement, dans une optique perche, je préférais la 1370. Mais j'avais aussi dit que la 1680 conférait une stabilité à très basse vitesse qui était un cran au-dessus de la 1370. Donc en départ ponton, dock start, c'était génial. Donc j'ai refait du dock start avec, ça s'est passé plutôt bien. Et après, sur le dock start, je vous invite à prendre des mats 75, c'est bien avec le modular maintenant, vous n'avez plus besoin d'avoir
un grand mât pour faire du dog start. Vous pouvez prendre des plus petits mâts qui vous permettent d'aller sur des pratiques surfoil. Et ça, c'est vraiment cool. On en a parlé dans la dernière vidéo. Là, pour le beach start, il fallait un mât vraiment court. On part de la plage ou d'un lac, le bord d'un lac. On va courir avec la planche et on va sauter dessus. Donc là, évidemment, le plus court, le mieux, ça tombe bien. Sur le modular en aluminium, il y a un mât de 65. Spot super plat. Flo est à l'entraînement. C'est dur. Nouveau. En dog start, on commence à être calé. En beach start, c'est plus compliqué. Setup du jour, Alpine Foil, on a pris volontairement un mât Alu 65. Petit Stab SHA 188 recoupé à 35. Et on a pris la grosse 1680 DW. Parce que t'es gamin au bord de l'eau. Ouais, parce que t'as une main sur le nose, une main sur le tail, c'est quoi. Ça, quoi. C'est le skim du riche, quoi. Et c'est ce que je me suis dit tout à l'heure, quand t'es gosse, on avait des planches en bois à 50 balles. Le niveau de connerie a pas changé, mais le matos, c'est un peu plus premium. Il y a un peu plus de carbone dans le setup, mais la caution est toujours là. Oui. Ah putain! Ah putain, Furet, pourquoi t'es allé là? 1 hour later. Oui, Furet! Oui, Furet! Attends. Allez, vas-y. Tour de chapiteau. Tour de chapiteau. Biochemical equation discovered by a process of elimination. Patient at the class classification of analysis. Analyst got struck by paralysis, and as of almost recent information, causality is still inconclusive. Investigation making some degree of headway through particle acceleration. Deviation is apparent in relation to the phase of rotation in the hydron, the Geiger, hydron collider. J'ai pu utiliser la pocket avec le mat 65 et j'ai donc pris la 1680 DW. Et pour finir, j'ai gardé un stab de taille moyenne, j'avais le SHA 188 que moi j'ai recoupé à 34. This just in, apparently the crucial core reactor has been sabotaged. Suspect the culprits are a crew of scratch bandits in the quantum department. J'ai pas trop mis un gros stab, mais évidemment, le plus gros stab que tu vas mettre, le plus facile ce sera pour optimiser cette stabilité à basse vitesse. Alors, mes premières tentatives ont été un vrai échec parce que j'ai pas arrêté d'essayer de me lancer, de courir avec la planche, sauter dessus, et j'ai réussi à rien sur la première session. Et puis, on est retourné un matin. Que là, on est fait plus. Hein. Ça pue bon la Bretagne. L'eau était transparente, j'étais sur un spot adapté. Je vous invite à prendre un spot sur lequel il y a une faible hauteur d'eau, pas de mouvement d'eau, pas de vagues, si possible. Et ces petits spots sur lesquels il y a une marche et on a le fond qui drop de manière assez subite est intéressant parce que dès que vous allez sauter sur la planche, vous allez avoir de la hauteur d'eau pour éviter de planter le foil dans le sable. Donc les front wings chez Alpine sont carrément robustes, mais ne faites pas cet exercice-là sur un spot où il y a des cailloux. Là, sur ce spot-là, il n'y a pas eu de dégâts. On a planté quelques fois, j'avoue, même beaucoup de fois. Une fois en l'air, le pumping est assez sympa parce que on a une planche qui est une plume, elle est très légère. Alors après, on a un réglage un peu kite foil qui impose d'avoir quand même les pieds assez. Là, on a les pieds assez reculés sur la board. Dans une optique pure pumping, on aurait presque envie de ravancer un peu le foil, mais c'est pas possible. C'est ce qui fait que la planche est super légère, super rigide, que la connexion avec le foil est au top. Donc moi, ce que j'ai fait sur la troisième session, j'ai mis une petite cale de stab pour faire redonner un petit peu de pied avant et me permettre de ravancer un peu mon poids sur la planche. Donc, faut pas hésiter à compenser un peu à la cale de stab à défaut de pouvoir ravancer le foil sur la planche, ce qui viendrait plomber le poids de la planche de toute façon. Donc après quelques runs en dog start, départ de port d'échouage de Pornichet, et là j'ai vraiment compris comment ça marchait. En fait, il faut avoir l'avion au ras de l'eau,
mettre les mains sur la planche en décalé, pas centré sur la planche, une main sur le rail extérieur, la main arrière au cul de la planche sur le rail extérieur, enfin intérieur plutôt, et on va d'abord juste saisir la planche par les rails pour lui donner un petit peu d'élan, et dès que le foil porte, parce qu'on avance dans l'eau, on remet les mains sur le pont de la planche, donc position excentrée par rapport à la ligne, l'axe nose-tail, et on va venir courir, prendre de l'élan en gardant l'avion vraiment au ras de l'eau, et dès qu'on a fait 3-4 pas de course, des grands pas, on va se hisser sur la planche. Donc là, on est sur une grosse flexion, extension au niveau des jambes, et on va venir pousser comme si on faisait une pompe, vraiment littéralement c'est ça, une pompe pour se satelliser, essayer de décoller, et venir mettre le pied arrière, puis le pied avant sur la planche. Et après, on va commencer à pomper. Le pas de course, c'est plus, ça ressemble plus à un galop de cheval qu'à une course. C'est pas courir pour courir, ça sert à rien. Faut pas courir longtemps, parce que dès que vous allez avoir de l'eau au genou, vous avez trop de hauteur d'eau pour courir, donc vous allez vous embourber, vous n'allez pas pouvoir monter sur la planche, parce que vous êtes trop bas. Plus on court, plus on descend par rapport à la planche. Donc, vraiment courir 3-4 pas, en mode ta-ta-ta-ta-ta-ta, pam, et je monte sur la planche. J'appuie très fort sur les mains. J'ai de la portance. Si mes mains sont bien placées, elles appuient de part et d'autre du centre de poussée du foil. Donc, je peux vraiment faire comme si je faisais une pompe sur le sol. Donc là, votre tonicité, votre force va vous aider. Votre explosivité va vous aider à vous monter, à vous hisser sur la planche. Le mat 65, c'est un gros atout par rapport à un mat 75 pour débuter parce que vous gagnez 10 cm. Et là, vous allez vous hisser sur la planche et c'est parti. Je suis super content en conclusion d'avoir réussi ce petit challenge. Évidemment, maintenant, l'intérêt du beach start, la finalité du beach start, c'est de partir de la plage un jour où il y a des vagues ou des ondes et d'aller, en pompant, reconnecter des ondes et surfoiler après. Donc ça, c'est vraiment la finalité ultime du beach start. Hein. C'est pas juste pour faire le kéké sur la plage l'été. Ça fait travailler le cardio et les cannes. Et puis, c'est un exercice technique un peu élitiste. C'est sympa d'y arriver, quoi. Je suis doublement content d'avoir réussi à atteindre cet objectif. Parce que je l'ai fait avec du matos full made in France. Merci Alpine Foil, merci Damien Chabou. La 1680, encore une fois, ça te démontre que c'est vraiment la stabilité à basse vitesse. Avec quelques pas d'élan, tu arrives à te hisser sur la planche. Tu as un peu d'inertie, tu peux commencer à pomper. Maintenant, il faudrait aussi essayer de le faire avec la 1370, qui, elle, une fois en l'air, va être plus agréable encore à pomper, plus rapide, plus adaptée au carving. On l'a vu, je l'ai utilisé en surfoil. On va se retrouver dans d'autres vidéos, il y a des choses qui arrivent, côté mât, des petites choses intéressantes, et puis je vais faire des essais aussi sur les stabs, pour plus aller axer sur la pratique surfoil avec l'alpine foil. On a déjà quelque chose qui marche très bien, qui permet de tenir longtemps en l'air. Je me rappelle, la dernière vidéo, je tenais quasiment 3 minutes en l'air en surfoil. Maintenant, on est rendu à 6-7 minutes, donc ça progresse, c'est génial. Il faut une configuration spot spécifique pour y arriver. Faut des planeurs d'1m10 pour tenir vraiment longtemps en l'air sans forcer. Donc, intéressez-vous à ces foils. C'est ce que j'appelle du longboard foiling. Mais c'est super intéressant. C'est pas la même pratique quand vous avez vos petites ailes de foil plus typées carving. Mais c'est très complémentaire et très formateur. Je vous dis à plus pour tout le matos Alpine Foil. Vous allez sur le site, il y a toutes les ailes. La pocket, vous la retrouverez. C'est une planche qui n'est pas donnée, qui est plutôt premium de par sa conception. Plutôt adaptée au kitefoil au départ, mais une super planche de dog start, de pumping, pour ceux qui veulent se mettre des petits challenges pumping et entretenir la condition physique, qui ont déjà cette planche ou qui veulent investir dans cette planche pour faire du kite foil. Je vous invite à aller voir. D'ici là, je vous dis à plus. Bonne session. C'était Adou. Bye bye. Allez pour toi. Merci. Chalk finger, tit lock, picking orders for y'all, the thought giver, palm grip, palm.